Ouais, faut juste les buter en fait. C'est juste qu'ils ont 118 cas de vie. Ouais, bon. Je veux dire, ça se fait, hein. Voilà, c'est fait ça. Franchement, c'était pas la mort. Hein. La pierre de vœux. Attends. Oh, ce sera bientôt réglé et nous découvrirons les secrets que recèlent les archives. Je suis heureux de vous revoir. Revenez vite. Tout ira bien. Accompagner Kalegos, partir récupérer les pierres de vœux d'azur. Beau travail, mon ami. Nous avons réussi à réparer les lignes telluriques des archives d'azur à l'époque où le vol draconique bleu était uni. Je répétais à mes filles. À mes frères et sœurs de ne jamais douter de la force des créatures mortelles. Ouais, tu dis ça parce qu'on vient, parce qu'on est en train de te sauver des miches. Venez me trouver auprès des pierres de vœux du sud. Ok, d'accord. Bonne chance. Les merveilles que recèlent ce... N'allez pas vous inquiéter. Mais mes images miroirs devraient disparaître d'un... Mais c'est des comiques, hein. C'est des comiques. Ah oh bah suffit de se laisser tomber en fait. Oh le trip. Ah dommage, le pilier m'a ralenti, sinon j'allais m'écraser au sol. En quoi puis-je vous aider? Une violence. Ah, cinématique. Je m'attendais à voir Maligos. Où est-il? Et toi, qui es-tu? Kalegos. Quant à vous, vous ne seriez pas... Syndragosa? En quelque sorte. Je suis un simulacre créé par ses soins pour préserver ses connaissances et ses souvenirs. Il semblerait que bien des années se soient écoulées depuis son départ. Effectivement. Et bien des choses ont changé. Je sens... la présence d'un aspect. C'est une longue histoire. Maligos et vous... vous avez péri. Je vois. Et qu'en est-il des autres membres de notre vol ? Dis-moi tout. Après la trahison de Neltharion, notre espèce était menacée d'extinction. Les rares dragons restants ont été dispersés.
Nous irons sans but, isolés. Peut-être, mais ta présence ici me laisse penser que tout espoir n'est pas perdu. Enfants de mon vol, œuvrons ensemble à faire de cet espoir une réalité. Rien ne me ferait plus plaisir. Que devons-nous faire ? Ben, des gaufres. Bon. Je sais exactement ce que je vais faire de vous. L'énergie de la pierre de vœux ne pourra être récupérée qu'une fois les lignes telluriques de la traversée d'Azur restaurées. Si certaines ne sont pas accessibles, ne sont accessibles qu'aux individus de grand pouvoir comme Kalegos, cela ne vous empêche pas de vous rendre utile. Allez trouver les Rohar en espérant que leur tribu ait survécu. À mon époque, c'est ici que vivait ce peuple qui, en ses longs sur ces terres. Adressez-vous à l'un de nos auxiliaires arcaniques pour vous retrouver auprès de vos alliés. Il y a une chevalière à récupérer. Ouais. Il reste encore temps. Je vais réparer autant de lignes telluriques que possible. En mon absence, j'utiliserai mes images miroirs pour garder l'œil sur la situation. Bonne chance. Espérons que les Rohar sont toujours de ce monde et savent où trouver les grandes lignes telluriques. Mon enfant, pourquoi me dévisager ainsi au lieu de partir ? As-tu quelque chose à ajouter ? Toutes mes excuses. J'ai entendu bien des récits à votre sujet. J'ai tant de questions à vous poser. Moi de même. Il a dû se passer un nombre incalculable de choses en 10 000 ans. Mon cher petit, je te saurai gré de me dire ce que j'ai manqué une fois notre problème réglé. Avec plaisir. Il y a tant à évoquer. Le cataclysme, le fléau, les autres aspects, les guerres du Nexus. Enfant de mon vol. Ah, désolé. Je reviendrai porteur de bonnes nouvelles. Et je t'aiderai à devenir le véritable aspect du vol draconique bleu. Ravi de vous voir. Nous nous reverrons bientôt. Si vous repérez quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire, prévenez-moi. Ouf, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, Saras. Alors, c'est la place de... Ouais, c'est celui-là. Nous nous reverrons bientôt. 291, hein, niveau de e-level. On est à 129 000 points de vie. Et franchement, ça va. On commence à rocks du poney. Hein. Ah, et il y a les points aussi à mettre.
On va faire un point, un point, un point. On va commencer par ça. En vrai, tout ça, c'est sûr. Ah ouais, mais il y a peut-être un truc. Voilà. Ça, par exemple, on peut le vendre. 140 seulement? Bon. Bon, vend le 300, hein. Ah, j'avais pas vu sur les icônes, il y avait les chiffres. Ah ouais, j'ai jamais vu. D'accord. Bon. C'est verrouillé. Si vous trouvez des objets exotiques, apportez-les-moi. Pas intéressé par cet objet? Ah oui, c'était un truc qui date de, qui datait de l'extension précédente. On peut pas le vendre. J'espère que vous aurez mieux à raconter la prochaine fois. Alors, les points. Donc, on en a un de chaque. Par là, on... Alors, ici, déjà, c'est sûr. Il y avait un truc qu'on avait mis un. Là, voilà. Ça, c'est bien. Et... trait de l'ombre. Applique une étreinte de l'ombre. Ce qui augmente les dégâts infligés à la cible de 1,5% pendant 7 secondes et qui le met jusqu'à 3 fois. Et on peut mettre 2 points là-dedans. Ça peut être sympa. Extrêmement magnifique, on s'en fout. Ouais, mais c'est chiant parce que je dois lancer les sorts plus souvent. Allez, mort insidieuse. Mort insidieuse, ça a l'air pas mal. Bon. Les eaux ruissellent à nouveau. On est parti. Prudence, ces terres sont saturées de magie. Caligos a raison, les Roars qui vivent sur ces terres depuis des générations sauront vous renseigner. Bon nombre de ces nomades font halte ici avant de regagner leurs divers camps dispersés aux quatre coins de la traversée. Demandez autour de vous, vous finirez forcément par trouver quelqu'un qui pourra vous renseigner sur les lignes telluriques. Parlez au Roar du camp d'Antonas. Méfiez-vous. Les Roars vous bassineront pendant des heures si vous les laissez faire. Bon, ça va, c'est pas loin. C'est juste là, en fait. Même pas besoin de voler. Alors, qu'est-ce que vous êtes? D'accord. Alors, après les tortolans, on a les morses. Oh, vos marchandises surclassent peut-être les miennes. J'ai de quoi? Des lacs à criques? Vous voulez parler de la mer? C'est quoi ce bazar? Oh non. Oh non. Oh non, ils vont être insupportables. Oh non, je vais avoir envie de canner. À qui ai-je l'honneur? Il y a de la magie partout sur ces terres, dans chaque rocher, plante ou animal. D'ailleurs, la légende de Goupil à la rose et aux quatre orteils veut que... Oh, ils sont insupportables, au secours! Sortez-moi de là! Ah, oh, bordel, je trouvais les tortolans chiants, mais alors eux... Venez, racontez-nous une histoire. Oh, les ensouloupiotes! Ah, ça y en a partout. On essaie de pas les perturber.
Le chef Ponoliak, il en sait plus sur ce genre de truc. Sauf que Ponoliak est mort, je te rappelle. C'est Brenna la chef maintenant. Non, oh, oui, oh, c'est vrai. Elle est passée avec la caravane funéraire il y a pas longtemps. Vous l'avez manqué de peu. Ma foi, vous êtes pour le moins exotique. Rattraper Brenna près des collines au grand feu. Bon, allez. Avec ce dragon, vous les rattraperez en moins de deux. Ah ouais, ok, d'accord. Tiens bon, Anu. Morte, tu ne pourras plus aider Norok. Norok. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous suis reconnaissante. Ce n'est pas le moment de bavarder. Notre caravane a été attaquée par des gnolls. La moitié de ma tribu a été enlevée et le reste grièvement blessé. Nous parlerons quand mes frères et sœurs seront en sécurité. Il y a des gnolls dans World of Warcraft? J'en ai jamais rencontré dans d'autres extensions. Faisons équipe, voulez-vous? Assez perdu de temps. Je dois sauver Norok. À nous, un instant. Je serai reconnaissante de toute aide que vous pourriez apporter. Vous disiez? J'ai retrouvé une des offrandes funéraires destinées à Polonac. Ok, d'accord, récupérez vos offrandes funéraires. Bon, ça c'est pour le convoi funéraire qui malheureusement a été attaqué. Déclencher les pièges. La prochaine fois, j'apporterai de déclencher 5 pièges. Les collines voisines sont jonchées de redoutables pièges à mâchoire. Ouvrez l'œil et vous devriez réussir à les récupérer, à les repérer. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à les désarmer très délicatement à l'aide de cette vieille technique rouard, un bâton bien long. Il est également possible de les activer en marchant dessus. Ce n'est pas la méthode la plus recommandée. Putain, ok, d'accord, ok, vous êtes insupportable. Les collines hantées. Les gnolls qui ont attaqué notre caravane étaient sous l'ordre de 3 lieutenants. Ok, donc faut tuer les 3 lieutenants gnoll. Restez sur vos gardes. Rien n'est plus rusé et cruel que les gnolls patombres. Des trolls? Il n'y a pas de trolls par ici. Bien sûr, vénérable ancienne. Ah, des gnolls, pas des trolls. Ah si, on en a déjà croisé des gnolls. Je sais plus si en vidéo on en a déjà croisé des gnolls, mais... Mais de mémoire, la dernière fois que j'ai croisé des gnolls dans un jeu vidéo, c'était dans Baldur's Gate. Je suis trop loin. Heureusement que j'ai balancé mon... Oh. Ah. Sinon, en marchant dessus, c'est ça? En vrai, ça marche? Oh, je suis déçu, ça marche pas. Ça aurait pu être une bonne blague, là, pour le coup. Oh, il y a une brochette là, à se faire, là. Mais je vais d'abord me concentrer sur les lieutenants. Merde! Mais non, il y a un joueur qui est passé avant moi.
pas grave, on va désactiver les pièges. Bon bah c'est bon, les pièges c'est fait au moins. Et je vais aller récupérer ce truc là-bas. Le respawn, le respawn, le respawn. Font chier ces branches là. Ah. Le piège est pas fait chiant. M'en douter. Attention au marché. Bon bah si je résume, il me reste plus que les offrandes à récupérer, donc il faut plus que... J'ai plus qu'un massacre à faire. Ouh là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Non, pas forcément le bon. C'est bon. Oh, c'est... Hey, il fait chier lui. Attendez, c'est quoi ces trucs là? Sculpture de pierre là. Je sais pas, l'autre les a récupérés, je sais pas trop à quoi ça sert. Adieu. À bientôt. Tout ira bien. Brenna, tu es venue. Vous ne vous êtes pas tourné les pouces à ce que je vois. Norouk et les autres sont dans cette tanière. Gargapat aussi. De même que ces gnolls malingres. Du calme à nous. Je veux tout savoir. Secourez Narouk et trois
l'autre. Ouais, c'est bizarre, il devait y avoir, un lien en fait ou un truc comme ça. En captivité, ok. Hop. Ne l'y soit qui mal y pense. Hein? Il doit y avoir un truc. Ne l'y soit qui mal y pense. Ravi de vous avoir rencontré. Tu es 16 Nol. Allez, hop. À notre prochaine rencontre. Et tu es le chef des Gnoll. Allez, hop. Ah, il te reste encore une quête. Récupérer les caches de fournitures de chasse. Okay. Je vous accompagne. Non, Hanou. C'est hors de question, car Gapat te tuerait. Salut. Répandre putréfaction partout, pas d'échappatoire.
vous saviez que je faisais le mort. J'ai appris cette astuce en observant les morcas du coin. Je file de ce pas, insaisissable, comme la loutrecque. Merci infiniment de m'avoir secouru. De rien. Ouais, ramène-toi, perds pas ton temps. Aie confiance en notre ami et ses compétences. Voilà. La prochaine fois, j'apporterai de la soupe. Votre histoire restera gravée dans ma mémoire. On progresse bien en vrai. Attendez, excusez-moi juste un instant, mais... J'ai ma dent qui m'emmerde. Bon, en gros, retrouver Brenna, voilà. Bon, ça, c'était un petit épisode, voilà. On aide ce peuple-là. Nous tâcherons de vous aider dès que nous aurons trouvé la source de cette putréfaction. Tout ça parce qu'il nous faut une info pour le rêve Azur, enfin, le vœu d'Azur. Je vois combien? 600 mètres. Hop. Je déteste que tu sois aussi insupportable tout le temps. Mais vous êtes tous insupportables en fait. C'est une tragédie, pire encore, ce n'est peut-être que la première d'une longue série. Interroger Akion, puis examiner les victimes tombées pendant l'attaque. J'ai ma petite idée sur ce qui s'est passé ici, et nous allons bien voir si les indices confirment ma théorie. De mon côté, je vais m'efforcer de rassurer mes pauvres camarades. Parler à Akon et inspecter 4 cadavres répète proches. Répète à mon ami ce que tu m'as dit. Oh, si tu y tiens. La nature vous a guidé jusqu'à nous. Les Knolls ont surgi sans prévenir. Quelle créature infâme et fétide! Rien n'a été volé, si ce n'est les vies de mes proches. Je mourrai bientôt, comme les autres. Tu n'es pas du tout à l'agonie. Il a raison. Tu t'en sortiras, Akion. Nous allons te conduire en lieu sûr. Ok, c'est charmant.
Il y en a pas loin. D'accord, juste là. Vous n'êtes pas d'ici, vous. Ce sont probablement des gnolls fougerobes, ok, qui sont à l'origine de ces attaques. Cela fait des générations que nous sommes en guerre avec eux, mais jusqu'à présent, ces rustres n'étaient guère plus qu'une vulgaire épine dans notre pied. Aujourd'hui, avec cette corruption abjecte qui menace de détruire la travée d'azur, les objets de vos recherches, nous n'avons d'autre choix que de prendre des mesures drastiques. Retrouvez-moi au territoire. À notre proche, Norok et moi trouverons un endroit sûr près des Fougerobes. À nous, assurez la protection de la caravane jusqu'à Iskara, je vous prie. C'est vous qui avez le plus besoin de ma protection. Non, ce sont vos enfants. Tout Iskara même, si nous n'arrivons pas à contenir la putréfaction, rentrez chez vous et avalez un bon bol de soupe. Reposez-vous. Oh. Dis aux enfants que je les aime, Anu. Oh. Très bien, mais prends soin de toi. Oh. Bon, ça on le mettra plus tard. Bon. Le vent charrie l'odeur de la pourriture jusqu'ici. Ma foi, vous êtes pour le moins exotique. Quelque part dans les environs. Ah, quelle bonne surprise. Et vous avez fait de nouvelles connaissances. Bonjour. Je m'appelle Kalekgos. Je cherche des grottes abritant des cristaux telluriques. Il me semble en sentir une par ici. Les lignes telluriques? Il y a bien une anse aux loupiottes au cœur des Fougerobes, mais la forêt est saturée de magie, de putréfaction, Gnoll. La putréfaction? Aurait-elle rongé la ligne tellurique elle-même? C'est terrible. Partout, la magie opère. Explorer le territoire des Fougerobes, ouais, bon. Ces gnolls ont effectivement découvert la magie de putréfaction. J'ai peur que la ligne tellurique locale et ses terres dans leur ensemble ne soient en grand danger. Mes images miroirs n'étant pas assez robustes pour résister aux perturbations élémentaires qui sévissent dans cette forêt, je compte sur vous pour aller y mener l'enquête. Je vous rejoindrai dès que j'aurai trouvé un endroit où je pourrai maintenir la stabilité de cette image. Ok. Voler de vos propres ailes. Je ne sais pas qui vous êtes, mage, mais merci. C'est plus qu'un mage. J'essaie simplement d'aider cette terre à guérir. Nos intérêts se rejoignent donc. Enquêtez sur la putréfaction. De notre côté, nous trouverons un endroit sûr dans la forêt. Norok,
Peux-tu nous aider à contourner les gnolls ? Vous n'êtes pas seul. Toujours qu'il y a une branche qui fasse. Je sais exactement quoi faire. Ah d'accord, ok. C'est moi, j'avais pas compris, mais en fait, il y a plusieurs choses. On est dans un objectif bonus. Je vous couvre. Oh, j'ai l'impression que ma portée de sort, elle est gigantesque, en vrai. Je vais juste vérifier si je sors pas de la zone. Non, je sors pas de la zone, donc je vais pouvoir continuer à faire du dégât. Pas de soucis. Je sais pas combien de pourcents je suis. 35% seulement. 39. Vous n'êtes pas seul. Faut qu'on fasse plus de carnage que ça. Combien là ? 62%. Un peu mieux faire. À gauche. Non, c'est la droite ça. Wow. J'ai pas fait attention à ma vie. Combien ? 79%. Je suis trop loin. À gauche. Ici, c'est progressivement en train de respawn.
Ouais, en vrai, on va laisser. Accrochez-vous. C'est bon. On a fait l'objectif bonus. Eh, hey, 29 000 points d'XP. Eh, hey, pas mal. Vous n'êtes pas seul. C'est une catastrophe. Venez vite. La putréfaction est hors de contrôle. Les gnolls corrompent un ancien. Cette chose propagera la putréfaction dans la travée plus vite qu'une traînée de poudre. Les gnolls ont perdu la tête ou quoi? Les effets de la putréfaction devraient les terrifier. Faites attention à vous. Oula, il y a de la quête là. Il y a de la quête, il y a de la quête. Malheureusement, je vais devoir faire une toute petite pause. Ensemble, et regarder à... Tout devient possible. À cette dent là, parce que j'ai ma dent qui me fait mal, je vais me chercher du Dafalgan. Allez, à tout à l'heure. Bien, nous reprenons. Il me reste à peu près une heure et demie. Un peu plus d'une heure et demie, presque deux heures de tournage. Il est... Ouais, il est 4h50 presque. Et je dois m'arrêter à 6h20. Donc ouais, c'est ça à peu près. Ouais, il reste une heure et demie Bien le bonjour. De tournage pour le moment. Avant que l'on s'arrête pour cette session, maintenant va mieux. La ligne tellurique ici, je le sens. Mais d'abord, nous devons arrêter les gnolls. Cet ancien est leur arme la plus redoutable. Ok, bon, bref. Récupérer cette cristaux tellurique sur le territoire. Bon. Voler de vos propres ailes. À qui ai-je l'honneur ? Tuer 5 tréants pourrissants et 10 pourritures fourjob. Placer le totem de Brenna près de 5 cadavres rouards afin de contacter leur esprit. Ok. Je suis navré que des rouards aient trouvé la mort ici. Si seulement j'étais venu plus vite. Merci pour votre bonté. La putréfaction fait partie du cycle naturel. Tout finit par retourner à la terre. Ceci, en revanche, c'est une perversion contre nature. Les âmes des nôtres sentent cette abjection et s'attardent. Nous devons les aider. Par pitié, dites à mon fils Rowi à Iskara que je l'aime et que je suis désolé. Je vais m'y faire. Hein. Je vais le mettre là temporairement. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Dégage toi. Vous n'êtes pas seul. Ces brutes gnolls nous ont tendu une embuscade. Je vous couvre. Ah.
Je vous en prie. La putréfaction ne doit pas gagner Iska. Accrochez-vous. Attendez là, parce que là par contre c'est la caverne d'Ali Baba ici là. Et apparemment j'ai récupéré le set de givre. Bon, ça c'est fait. Cet ancien putréfié atteint Iskara. Tous nos filets et nos lances sont impuissants à l'arrêter. Vous deux... Accrochez-vous. Je dois m'approcher. Je vous couvre. Vous n'êtes pas seul. Accrochez-vous. J'aurais dû me déconnecter pendant que je faisais ma pause. Ça m'aurait peut-être permis de repasser en état reposé. C'est pas grave. Attendez, j'ai réactivé mon micro. Je suis content que vous soyez là. Ciel clair et vent fort. Je vous suis reconnaissante pour votre aide. On va aussi mettre ça. Et ça. Ok. En quoi puis-je vous aider? Revenez vite. Mince, j'ai pas regardé. Parlez à Kaleos pour ouvrir le portail, puis
Servez-vous de ce qui aura invoqué pour éliminer les putrificateurs. Ok. Nous devons arrêter cet arbre muni de ces cristaux telluriques. Je vais enfin pouvoir me rendre utile. Prévenez-moi quand vous serez prêt. J'ouvrirai un portail sur les archives d'Azur et j'essaierai d'en rapporter quelque chose d'utile. Ok, d'accord. Je suis heureux. Allez, je suis prêt. Les archives d'Azur abritent une vaste collection d'objets magiques. Je vais devoir tâtonner à l'aveuglette, mais je gage qu'il en sortira quelque chose d'utile. Non, pas ça. Certainement pas. Ah, je suis en train de perdre le contact. Allez, ah, ça devrait faire l'affaire. Oh là là. En piste, grimpez sur ce livre. Non, mais seriously? Par la barbe de Norganon, cette chose a sale caractère. Tenez bon. Ces chamans maintiennent une barrière autour de l'ancien. Éliminez-les en priorité. Mais... Ah, je contrôle. Ces chamans sont des coriaces. Balayez-les avec une charge ou une explosion. Oh. Ah, oui, ok. Wow, par contre, ouais, alors ça va être un petit enfer.